Bon, ça va pas, on parle pas du tout, on est sérieux là. Non, bah, ouais. En même temps, je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Communique, dis-moi où tu es. Allez, j'avance, je passe au-dessus du muraille, j'avance, je tire. Je vise, je me fais tuer. Je vise, je tire, je le rate, je tire, je fais mon pouvoir, je tire, je tire. Il perd pas de vie, c'est bugué. Il est mort, mais il continue de tirer. Bon, t'as raison, Pox, c'est pourri, ferme ta gueule. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Caracaractus, je suis Abyssion et je suis toujours avec Poc. Bonjour Poc. Bonjour, pour changer, on est ensemble, ensemble. Et toujours motivé, comme vous pouvez le voir, à la joie de vivre incarné, ce Poc. Connard. En même temps, on joue avec toi, il est déprimé. Donc voilà, on se retrouve encore une fois sur Mass Effect Andromeda pour relancer une petite partie de l'Apex, donc le multijoueur. On s'est arrêté de toute façon à la dernière vidéo juste là. D'ailleurs, j'ai pas mis mes petits points à répartir. Je ne sais toujours pas dans quoi les mettre au passage. Je pense qu'il va falloir augmenter ça au bout d'un moment. On t'attend, trop de balles. Oui, bah moi je mets mes points, pépère. Je sais pas quoi faire en plus alors. Non, il faut forcément que tu le fasses maintenant. Bah oui, pour ce que je montre, comme ça on va suivre l'évolution du personnage. On s'en fout, l'évolution de ton personnage. Et je change d'arme en plus, tu vois, je prends mon temps. On va prendre un petit pistolet, un Sidewinder, parce qu'il a grave de la gueule quand même, faut l'avouer. Hop, alors, canon. Comme ça, plus 13 de dégâts, ça se prend. Plus de dégâts, ça se prend. Et on va virer le sniper, ce que j'ai vu, du coup, j'ai regardé la première vidéo, le sniper, c'est pas spécialement agréable à regarder. On va tenter un bon vieux fusil d'assaut qui tire bien en rafale. Limite 39, 66. Matoc, j'ai déjà donné. On va essayer du coup le revenant. Mais là, pareil, niveau dégâts, je suis pas sûr que ça fasse grand-chose. Et voilà, je suis bon. Mais le pistolet, en tout cas, lui, devrait mettre pas mal de dégâts. Tu vois, en plus, on m'attend pas, on entend Shalinga 07. Les paramètres de la mission. Oui. Bah, Shalinga 07, si un jour tu regardes cette vidéo, eh bien, on t'attendait. Et on a même voté pour te bannir. Parce qu'on est des enfoirés. Et tu as été banni. Et nous sommes désolés. En fait, non, pas du tout. Mais voilà. Oh, on tombait. Moi, j'ai mis de nouvelles maps et de nouveaux ennemis. Hein. D'accord. Donc là, on ouais, s'en battra les couilles, mais sûrement pour les présenter. Oui. Donc là, on va être dans une sorte de station spatiale sur. Sur un météore, dans l'espace. Ça va être bien. surtout que là, en plus, dans cet endroit-là, il y a un spot quand même pas mal. Non, quand vous mettez là-bas, là, vous avez une grande ligne devant vous, les ennemis arrivent, et au sniper, vous faites un carnage. Alors, c'est revenant. Putain, il est tellement imprécis. Courez pour vos filles. Alors, on va passer un beau pistolet.
Pourquoi je ne trouve personne? Pourquoi l'ennemi est derrière moi? Ça te dégage. Voilà. Enfin, il n'y a plus. Il y a des munitions par là-bas. Hop. Vague 2. Merci Alexandre. Mais reviens toi. Donc ça c'est... Oui, on n'a même pas dit pour les ennemis, donc c'est les fameux pirates. Donc ce sont des mecs comme nous et puis on leur fait la gueule en fait. On a beau avoir traversé la moitié de la galaxie avec un vaisseau super high-tech pour aller repeupler une nouvelle humanité ailleurs, on a emmené avec nous des gros enculés qui, dès qu'ils sont arrivés, ont voulu créer leur propre truc à eux. C'est globalement ça. Dégage. Oula. Oh merde! Moi je vais au pistolet, là je suis bien. Faut pas que j'oublie, je suis pas mon franc-tireur. Ouais. Les renseignements ont besoin de données accessibles depuis votre position. Ah bah je suis déjà dessus. Moi je me fais attaquer parce que je suis en train de baisser le son de la télé. Voilà. Tu. Toi je t'ai vu. Aïe. Toi ça tu me dis. Ouais, quand même, ce pouvoir donne une putain de cadence de tir. J'aime bien ce petit pistolet. On n'a pas regardé où j'étais. Munitions. Alors. Ah, j'ai le temps de rien montrer. Et voilà. Bel astéroïde avec ce bouclier qui maintient une certaine atmosphère ici. C'est sympa, c'est joli, j'aime bien. C'est la guerre dehors en plus, je sais pas pourquoi. Oh, un Krogan! Un Krogan pas content, dégage. Ouais, j'ai eu Krogan. Ouais. Bon, en or, vous les avez par deux, les Krogan. Ils sont livrés par paire. Je sais pas ce qu'il a fait, lui. Comment il fait pour tirer à travers le mur, lui? Et là. Ah mais ils sont tous morts, je leur tombe dessus. Ah, c'est vraiment une bonne équipe. Des munitions, comme d'hab.
Alors. C'est simpliste, en fait, ma petite. Oula! Une hydre! Bonjour, l'hydre! Ah, et puis j'ai pas besoin de recharger en plus, ça. J'avais pas fait gaffe à ça, c'était génial. Hydre à la peau, les filles. Là. Oh, yeah. Tiens. Quoi, j'ai aucun mérite? Tu me l'as flingué, il y avait un point de vie, quoi. Lequel? Moi j'étais sur celui où tout au bout de la carte. Ah, ah non, c'est pas toi. Y'a un mec qui te ressemble goutte pour goutte, mais c'est pas toi. Oh oh, bonjour Lydre. J'ai dégommé l'hydre, c'est même pas moi qui ai eu le dernier coup, je suis dégoûté. Grave, la vidéo parlera pour moi. J'ai la cible. Alors, salut toi. Ah, c'est des cibles. Ouais, c'est des cibles. Donc 4 à tuer qui apparaissent les unes à la suite des autres. Mais, tu vas où toi? Reviens. Mais. On va mettre full vie puisque. Voilà. Un peu. Oh bon. Il y en a un qui est sorti du nulle part à côté. On l'a dépouillé. Vague 7, pardon. C'était la cible déjà? Ouais, c'était la dernière. Elle était vite, ouais, j'ai même pas vu passer quoi. On va comme la première vidéo, hein, on en fera deux. Hein. Je suis une tourelle. Une tourelle qui s'est pas visée. Et puis si vous tenez jusqu'à la fin du compte à rebours, mais qu'il n'y a personne,
sur la zone de départ, bah, la navette se bat sans vous parce que les pilotes sont des gros enfoirés. Ils n'ont rien à battre de l'équipe. Vous pouvez être juste devant leur faire attendez-nous. Ils se barrent. Ça tape fort, Longara. Le compteur. Et 5, 4, 3. Aïe aïe aïe, je suis là. Pas entier, mais je suis là. Et voilà. Donc, ouais, pas trop de mal sur celle-là. Bon, en même temps, voilà, elle est en bronze. Hein. Et on commence, nous, à être habitués. C'était un échauffement. Hey, qui sera le premier? Une petite argent derrière Poc? Une petite argent petite dernière pour bien... Allez, ok. Puis ce sera pour la prochaine vidéo, on commencera les vidéos, les trucs argent. Très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas une bronze encore en mission. Hey joli. Ah, moi je suis où? Ah, je suis loin. J'ai rien fait. T'as aucune or, quoi. Non. J'ai réussi à avoir les points faibles avec mon pistolet, quoi. Rien à rappeler là où je tire. Moi, je me balade, en fait. Des fois, je vois un ennemi, je tire. Il y a une argent, une or et une... Réduction du temps de bouclier, j'en ai rien à battre. Allez, on va mettre les reliquats pour leur montrer le dernier ennemi. J'hésite entre le tir percussif et la turbocharge. 15% de dégâts. 10% de dégâts des armes à feu. Ouais, on va prendre lui. Très bien. Et par contre, du coup, le fusil d'assaut, je m'en suis quasiment pas servi. Du coup, je vais revenir à pistolet et fusil de snipe. Canon et culasse. Voilà. I'm back from the dead. Oh là, alors toi tout de suite tu te tais. Ah mais direct. Ah, sur la station glaciaire. Pas ça se dit. Ah, j'aime bien les reliques là-dessus, c'est marrant. Ouais, bon, les reliquats sont chiants en tous les cas. Ouais, ça va, t'es plus en mode. Ouais, mais j'ai appris à les détester du coup. Parce que quand vous tapez au corps à corps, et ben quand les reliquats c'est les seuls à avoir des ennemis volants. Et du coup, vous les regardez, vous êtes en bas et vous faites. Et des sangs. Et ils vous tuent. On serait bien que tu finisses au moins deuxième. Ouais, mais t'inquiète, je vais me mettre là-haut, je vais prendre un sniper. Je croyais que le sniper c'était les. Ouais, je suis d'accord, mais ça fait du point. Bon, après, on a vu comment je tirais au sniper dans la première vidéo. C'est quand même un chouïa mieux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Descend. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Je sais pas, les reliquats ils ont bugué, ils ont valdingué là-haut là. Ouais, ils sont tous popés en haut. Ah, ça va, non, bah maintenant. Voilà. Y'en a un là-bas. Tu tires sur quoi? Mais il est mort. Abruti. Il ne reste plus que 3 ennemis. Ah, je fais un double combo biotique. Ah 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 ah. Je suis tombé. Je
On a géré. Ouais. Je vais fuir. Je vous gâte pas les points, on aura la surprise à la fin, comme d'hab. Allez, monte. Et monte. Voilà. Comme ça. Je suis pas sur la bonne touche, ça ne veut pas aller. Ouh, il y a du monde. Comment ils en ont rien à battre de moi? C'était mort. Ben non. Merci. Oh bonjour ta. C'est pas fini. Ok, on voit rien par ici. C'est qui me tire dessus. Il est où? Il est où? Il est où? Là-bas. Oh là là, je suis mauvais. J'arrive quand même à voler le kill. On va aller là-haut. Voilà. On va aller là-haut. J'étais bien. Ah, il y a des points à prendre. Je veux hausser. Oh, peut-être pas hausser tout de suite. Après. Je crois que je suis pas tout seul, j'entendrai un bruit de petite pack, ouais. Par contre, je ne vois ah, là-bas. Eh bien. Il y en a là-bas. Voilà. Ah, quel kill. Pas le temps de le voir lui. Deux assembleurs, ça va aller vite. On a géré. Et on remonte. Bon, ça va pas pour là. On parle pas du tout, on est sérieux là. Bah, ouais, en même temps, je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Communique, dis-moi où tu es. Allez, j'avance. Je passe au-dessus du muraille. J'avance. Je tire. Allez-y. Oh, je suis à la merde. Je vise. Je me fais tuer. Je vise. Je tire. Je rate. Je tire. Je fais mon pouvoir. Je tire. Je tire. Il perd pas de vie. C'est bugué. Il est mort. Mais il continue de tirer. Bon, t'as raison, Poc. C'est pourri. Ferme ta gueule. Pourquoi je ferme ma gueule, moi? Parce que... Quelque chose à redire à ça? Bonjour toi. Oh t'es dos. Oh là. C'est pas prévu ça. Il y a faire des combos avec un soldat. Hein.
C'est mort lui. Oui, il est mort. Il y a du lag. Oh, bonjour toi. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Vague 5. J'ai bien compté ou la 6? Ouais non, 5. Les ennemis se dirigent sur vous. C'est quand même chaud le relique, hein. Même pour moi. Moi je me la pète en vrai. Oh, là-bas. Ah, destructeur, ça commence. T'es mort ou t'es pas mort toi? Il est mort. Oula, oula. Oula. Ah, y'a un destructeur. Il peut encore être vivant. Oui, on l'a dit qu'il y avait un destructeur. Bon, je crois qu'il est déjà mort. Coéquipier à terre. Je suis là. Allez, pas trop corps à corps. Oh là, il y a eu un lance-roquette Cobra dans le tas. Lance-roquette Cobra, c'est ça. D'appuyer sur le haut et ça tire une roquette qui one-shot beaucoup de trucs quand on est en bronze. Mais bon, on en a pas beaucoup. Hein. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont morts? Hop là. Ouf, ouf. Ah, j'ai failli tomber dans le vide. Il en reste un? Ouais, il est là. Ah, il se balade. Il fait sa vie. Et je vole le kill. Vaxis, objectif. Ah, pareil. C'est sur la première. Et qui c'est qui m'attaque? Un appareil HS. Oh oh, bonjour toi. Il est mignon le destructeur. Je vais courir. Alors là, vous voyez, là ça mérite le coup. Hop. Et voilà. Parce qu'il y en avait deux quand même. Deux destructeurs, un observateur, ça vaut le coup. Oh. Mais c'est quoi ce monde ici? Plus de bouclier. Oh là là, oh là, ouh, ouh. Ma vie, je n'ai plus de vie. Allez bouclier, reviens plus vite. Bon ça begouille. Je dois déjà être mort en fait parce que j'ai plus de vie mais je ne le sais pas encore. Voilà. Ah ouais non, j'ai un de ces lags, c'est fou. Ah ouais. Ah ouais ouais. Oh là, on va m'achever. On va m'achever. Non, non, je crois qu'on m'a achevé, mais je le sais pas encore. Non, il est parti. Il achève pas en bronze. Si, il achève. C'est juste que j'avais du lag. Donc voilà, regardez, on va aller suivre une vieille femme qui s'appelle Poc et qui vient pas m'aider quand il meurt. Donc la prochaine fois qu'il meurt, je vais le regarder mourir. Ah mais j'essaie de venir, mais ouais, t'as pas essayé. Non, t'as pas essayé. T'arrives pas à se faire les vitres et tout. Je t'en supplie.
connard. Ah, voilà, je suis revenu. On a géré. Allez, dernière vague. Alors, hop là, munitions. Donc c'est ici l'évacuation sur cette carte. Mais je vais monter. C'est le moment de partir. Allez à la zone d'extraction. Ouais, y'a un du monde ici. Tout va venir hein, vers nous ici, sur cette vague là. Tout le monde veut notre mort. Eh, toi t'es bien là. Viens là toi. Je sais même pas s'ils sont encore vivants en fait ceux sur qui je tire. C'est perturbant. Lui il doit être mort mais il reste debout. Oh là là. Et lui, il est vivant ou il est mort? Avec deux balles, il devrait être mort. Tous les ennemis, ils restent debout, alors je sais absolument pas où ils sont. T'inquiète pas, tu fais plein de kills. Ouais, je tire plein de balles dans des ennemis, en fait, pour être sûr de les tuer. C'est pas jour ça. Deux. Bonjour de là-bas. Prends tes grenades sur POC. Rien à foutre. Boum. La mission a été difficile. Et voilà. Avec ce beau tour rouge parce que j'ai plus de vie. Ça lag un peu du coup de ton côté. Bah, c'est juste que ça ne lag pas, c'est juste que les ennemis ne meurent pas. Ça lag. Du coup tu comprends pas très bien ce qui se passe. Tu verras, c'est marrant. Et des fois je m'acharne sur un ennemi. Tu vas crever. Puis il disparaît. Ploup. Ce problème à mon avis pourrait améliorer un petit peu ça. Bon après on n'a pas des connexions internet excellentes non plus. Mais bon on a souvent eu ce petit... Une médaille. Ah je suis deuxième, j'ai une médaille d'or. Et ouais. On est niveau 6, on n'a pas gagné de niveau. Si on a gagné un niveau. Très bien. Eh bien les amis, c'est sur ce qu'on va vous laisser. On se retrouve donc la fois prochaine, on va attaquer des vagues de niveau argent. Donc là vous allez voir c'est un peu différent. Donc ça reste le même principe, c'est juste que les ennemis sont plus nombreux, plus résistants et ils font plus de dégâts. Et il y a des plus gros ennemis plus rapidement. Voilà. Donc merci de nous avoir regardé, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve à la fois prochaine pour du Mass Effect Andromeda. Bisous.